Spinning, victoire au bout du suspense ce soir. Penses-tu que Liège a corrigé les manquements du match contre Anvers? Bah oui, je pense que déjà rien qu'au rebond, le coach l'a signalé, on a quand même 47 rebonds, je pense, par rapport à la semaine passée, ça fait déjà beaucoup. En défense, bah, on a resserré la défense, on a essayé d'aller plus aider quand il le fallait et quand le coach l'avait demandé. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est positif. Maintenant voilà, on voit qu'on attaque, on a un peu manqué de clairvoyance et de plus bouger la balle, de plus courir et malheureusement ben voilà, c'est pour ça que le score est serré, alors que je pense que si on avait joué le même basket au niveau offensivement que la semaine passée, ben on aurait gagné plus facile. Tu es un travailleur de l'ombre, peu de points mais beaucoup d'importance. Quel rôle exact joues-tu dans l'équipe? Bah, aujourd'hui c'était pas trop ça, mais voilà mon rôle comme je le disais, je suis content quand un coéquipier marque, parce que j'ai fait par exemple un bon écran ou j'ai bien bougé à l'opposé. Donc ça, c'est plus mon travail. Je sais que voilà, je dois travailler pour les autres, je dois travailler pour que les autres puissent marquer. Et voilà, moi ça me plaît, mais je dois quand même essayer d'apporter un peu plus offensivement. Aujourd'hui, 2 points, c'est pas assez. Et voilà, je suis pas satisfait de ma prestation aujourd'hui, mais
le principal, je pense, c'est la victoire et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Les matchs vont s'enchaîner les prochaines semaines. Quels sont les objectifs pour Liège? On sait que ça va être très dur parce qu'on reçoit quand même Mons à l'Ost au stand. Donc ça va être assez dur. Mais l'objectif, voilà, c'est comme aujourd'hui, donner le maximum, essayer de faire un match serré, se battre sur tous les ballons. Et voilà, pourquoi pas créer la surprise, par exemple, contre stand ou d'autres grosses équipes. Mais voilà, je pense que contre l'Ost et Mons, on en est capable. Mais non, voilà, je pense que au stand, ça reste quand même un cran au-dessus, mais je pense qu'on en est vraiment capable et on va essayer d'aller chercher 2 victoires sur 3, pourquoi pas. Merci Boris.